Ah non, 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 moi non. La poésie, non, j'y touche pas, quoi. Oh putain, non. Non, la poésie, non, je respecte trop ça, quoi. Tu vois, je sais pas, quoi. Moi, je raconte des conneries, des histoires de tous les jours, quoi. De gens, tu vois, de gens minuscules, quoi. J'aime bien les petites gens, quoi. Tu vois, les gens qu'on dit, qu'on pense sans histoire, quoi. J'aime bien ça, quoi. Et ça revient. Les histoires de ces vies minuscules, quoi. Ça, en fait, c'est le titre d'un bouquin de Pierre Michon. C'est l'un des écrivains que j'admire, quoi. Moi, mes personnages, c'est des gens que j'aime, quoi. Je peux projeter un personnage sur quelqu'un ou quelqu'un que j'aime, quoi. Pas forcément aimé d'amour, quoi, mais que j'aime. Tu vois, je pense à la personne, quoi, au personnage, quoi. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tu vois, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Et je note tout ça, quoi, sur un cahier, quoi. C'est comme bâtir une maison, quoi, c'est écrire une histoire. Et mon personnage, tu vois, je bosse sur l'éthique de mon personnage aussi. Tu vois, quand mon personnage est dans son intimité, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Tu notes, et à la fin, je me sens tellement bien avec le personnage que je me mets à écrire. Il m'emmène, on est potes, quoi. On fait les 400 coups, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Cormeilles, c'est l'histoire d'une femme, quoi, qui vient de perdre sa fille. Et un jour, là, elle décide d'aller voir le à la mort, après la mort, quoi, d'aller dire au père que ta fille vient de mourir et ma fille, c'était ta fille. L'histoire, c'est le ton personnel. Et c'est quelqu'un qui parle dans sa tête de façon qui vacille entre de plusieurs mondes, quoi. C'est genre, c'est entre l'enfance et l'âge adulte, entre un village qu'elle a renié, qu'elle a quitté, et ce huis clos de l'appartement de Simon, quoi. On n'a pas besoin de points, quoi. C'est quelqu'un qui penche, quoi. Quelqu'un qui penche, tu vois, n'a pas trop de pause, quoi. N'a pas, genre, il faut que ça aille, quoi. Faut que ça coule, quoi, genre. Faut que ça respire pas. C'est un peu ça. Ben, je crois que quand on parle, quoi, on est. Si on peut être nu, quoi. Parfois, je me dis que le silence vaut peut-être mieux que les mots, quoi. Surtout dans cette histoire, quoi. La femme, elle parle pas parce qu'elle a pas envie d'être nue, quoi. Et quand toi, tu lis l'histoire, elle est nue, elle est nue, elle est à jamais nue, quoi. Genre, tu vois le personnage dans toute son. Dans toute sa nudité, quoi. C'est un peu ça, j'aime bien. Et je crois que c'est mieux de faire raconter l'histoire par une femme, comme ça. Oh, la musique, putain, c'est bien. C'est bien la musique, quoi. Toi, j'aime bien que mes histoires. Que la musique accompagne un peu mes histoires, quoi, mes personnages. C'est comme une sorte de planche de salut pour mes personnages, quoi. La musique, quoi. J'aime bien. Sentir qu'il y a des présences, quoi. Ouais, c'est comme des fantômes, quoi. Je crois qu'on a tous des fantômes et ça nous accompagne, quoi. Dans l'histoire aussi, il y a Billy qui est comme une sorte de fantôme, quoi, qui accompagne le personnage central. Et tu vois, même au niveau de la langue, de sa langue à elle, dans l'histoire, c'est un peu. Je crois que tu vois, c'est. En fait, j'ai essayé de.
de scander, tu vois, les phrases, tu vois, comme la voix de Billy aussi, genre cette voix un peu chaloupée, quoi. J'aurais pas pu écrire, quoi, si j'observe pas les gens, quoi. Et à New York, tu vois tellement de tout. Ouais, ça m'inspire, quoi. Le fait de voir des gens, c'est... Ouais. Tu vois, écrire, c'est pas tout à fait une affaire de géographie, quoi, de là où t'es, quoi. Dans mon cas, j'écris n'importe où. À New York, ça, tu vois, j'ai l'impression d'être tellement rien, tu vois, dans la foule, quoi. Et à un moment donné, je me sens comme dans une sorte de cocon, quoi. Une sorte de matrice. Tu te sens bien, quoi, genre... Et là, comme ça, tu vois, il y a des gens qui passent, et c'était impressionnant, genre... Je raconte une histoire qui se passe pas à New York, qui se passe très très loin de New York, genre... En Haïti, quoi, dans un village, genre paumé, quoi, de très très loin. Et tu vois, dans cette foule, je me sens... Tu vois, je replonge un peu je replonge mieux dans ce village, quoi. Ce vacillement, j'aime bien. J'aime bien ce sentiment, quoi. T'es là, mais t'es pas là, quoi. Ça me fait du bien aussi, quand même. Tu vois, je crois que la distance joue beaucoup, quoi. Surtout dans mon cas, quoi. Tu vois, je sens une grande liberté, quoi, de décrire. C'est-à-dire, c'est une sorte de désir de revoir, quoi. De revoir, tu vois, le paysage, quoi. De revoir les gens, quoi. Le dernier poème, c'est un court métrage que j'ai réalisé ici à New York, quoi. Et ça parle de l'histoire d'une, ça parle d'une femme qui, ben, en fait, une femme vouée au plaisir solitaire, quoi. Après la mort de son amant, qui était un poète, quoi, qu'elle a jamais aimé d'ailleurs, elle a jamais aimé sa poésie. Et à sa mort, à la mort de son amant, là, elle a lu son dernier poème. Ça s'explique un peu. Et à un moment donné de sa lecture, quoi, elle se sent... elle se met, sans le vouloir, dans la peau, genre de la fille du poème. Et là, elle est perdue. En fait, je voulais faire un peu dans l'expérimental, quoi. Genre me perdre aussi en faisant le film, quoi. Me mettre aussi dans la peau de cette femme qui est perdue par le poème et qui est vouée à errer, quoi. J'ai voulu errer un peu dans le film, quoi. Moi-même, quoi. Le poème, c'est le poème d'un ami à moi qui est mort, quoi. Ouais, après avoir lu ce poème, j'ai eu envie, quoi, vraiment envie, quoi, de faire un film avec, quoi. Ça m'a délivré de quelque chose, quoi, genre, de moi-même, sinon. Et tu vois, il y a des collections chez certains éditeurs, quoi, on ghettoise vachement l'écriture, c'est-à-dire il y a des collections genre les lettres africaines ou les lettres américaines ou qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je comprends rien, quoi. J'y comprends absolument rien, quoi. Tu vois, il y a chaque pays son imaginaire, quoi. Mais tu vois, notre royaume, c'est un peu quand on écrit, genre, tu vois, c'est la langue, quoi. C'est l'imaginaire, quoi, que charrie cette langue. Et si, dans un, je ne sais pas quoi, dans un souci ou un système, je ne sais pas, éditorial, qui veut ghettoiser cet imaginaire, moi, je ne suis pas pour, je suis contre. Je ne sais pas si tu décides d'écrire, tu décides d'entrer dans cette... dans une littérature monde, quoi. Tu fais partie de ce monde, de ce cocon, si vous voulez, quoi. Mais tu vois, je me vois pas... Je suis un écrivain monde, quoi. Je suis un écrivain monde né en Haïti. Je suis pas un écrivain haïtien, genre... tu vois, j'aime pas ça, quoi.
je trouve ça mauvais, quoi. C'est gâcher l'affaire, quoi. De dire que je suis un écrivain haïtien, quoi. Et tu vois, c'est toujours cette histoire d'imaginaire. L'imaginaire, ça n'a pas de frontières. Tu vois, c'est comme le songe, quoi. On ne sait jamais quand le songe s'accapare, tu vois, de tes yeux, quoi. Genre, tu vois, tu n'en sais rien. C'est un peu le mouvement du monde aussi, quoi. Tu vois, l'imaginaire. C'est pour ça que je trouve que c'est mal, quoi, de catégoriser. C'est un peu la dictature pour moi, quand même. De ghettoiser, de catégoriser, tu vois. Tu vois, cette idée de casier, quoi, genre. C'est comme une sorte de prison, c'est le gouffre, quoi, tu vois. C'est comme la mort, quoi, tu vois, c'est... Ouais, je crois que c'est un peu comme la mort, quoi, ouais. Ouais.